Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Franck Diongo a 5 ans d'emprisonnement. En tant que condamné, l'honorable Franck Diongo, héros vivant, avait droit et avait introduit une requête en révision du procès. Ça veut dire l'objectif d'une révision du procès les condamnant,
c'est l'acquittement, c'est la cassation de la décision injuste qui a été prononcée par la Cour suprême de justice. Et aujourd'hui, nous avons été devant la Cour de cassation pour demander à la Cour de cassation de revoir les erreurs judiciaires qui ont été commises par la Cour suprême de justice, pour revoir. Il y a eu des faits nouveaux qui ont innocenté l'honorable Franck Diongo. Il a été condamné pour 5 ans injustement par la Cour suprême de justice. Alors que, en tant que condamné pour des infractions d'arrestation arbitraire et de détention illégale assortie de torture, il a été condamné comme auteur intellectuel. Mais de l'autre côté, il y a eu un autre jugement qui a statué sur le même dossier, avait acquitté 8 des 15 condamnés, des 15 combattants qui auraient exécuté l'ordre de Franck Diongo. Donc vous avez là une justice qui avait condamné Franck Diongo comme auteur intellectuel d'arrestation arbitraire sans auteur matériel. C'est un motif de révision, il y a contradiction des décisions. Vous avez 7 personnes qui ont été acquittées pour n'avoir rien fait. Ça innocente Franck Diongo qui a été condamné pour avoir donné l'ordre à 15 personnes. Dès lors que 15 sur 15, il y a eu 7, 7 acquittés, ça innocente Franck Diongo, c'est le motif de la révision. Vous avez également les faits nouveaux. Il y a des faits qui n'ont pas été tenus compte par la Cour suprême de justice. Notamment, la Cour avait estimé qu'il y avait torture. On a brandi la réquisition au médecin qui avait démontré noir sur blanc que les 3 gardes républicaines, prétendument victimes de torture, ne l'ont jamais été. Ils n'ont jamais été torturés. Il y a eu un rapport médical. C'est un motif pour innocenter Franck Diongo, ordonner l'acquittement de Franck Diongo. Donc c'est un procès de rupture. C'est un procès historique. Nous mettons les juges devant leurs responsabilités. Soit ils disent les droits et ils seront reconnus par les tribunaux de l'histoire, par la conscience de l'humanité. Mais s'ils ne disent pas les droits, ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. C'est l'essence du procès d'aujourd'hui. Franck Diongo veut être acquitté. L'affaire est prise en délibéré pour une décision définitive. En attendant, le ministère public a demandé en communication les dossiers pour un avis écrit. Telle a été la quintessence de l'audience d'aujourd'hui. En tant que condamné injustement, demandeur en révision, si les juges de la Cour de cassation estiment que la requête en révision est recevable et fondée, Franck Diongo a droit à des dommages et intérêts pour avoir été injustement condamné et dont la condamnation vient d'être levée. Et par voie des conséquences, son casier judiciaire redeviendra vierge. C'est ainsi que nous avons postulé à des dommages intérêts à titre symbolique, $500,000, c'est rien, pour quelqu'un qui a perdu une année déjà 6 mois en détention, alors que c'est un acteur politique majeur. Le procès est vrai. 18 juillet de cette année, au fait d'auditionner, d'entendre l'avis du ministère public, et l'affaire est prise en délibéré pour une décision définitive. Et je crois que nous sommes ici parce que notre client, l'honorable Franck Diongo, avait introduit une requête en révision. La révision, pourquoi? Parce que vous êtes sans ignorer qu'il avait été condamné depuis le 28 décembre 2016 devant la Cour suprême de justice, siégeant comme Cour de cassation, comme auteur intellectuel de l'infraction d'enlèvement de l'arrestation arbitraire accompagnée des tortures. Or, le président national honorable Franck Diongo n'avait pas été arrêté seul. Il était arrêté avec les autres membres du parti qui se retrouvaient en sa résidence le 19 décembre 2016 à 13h. Il ressort des éléments du dossier, nouveaux éléments du dossier par rapport au procès des 15 combattants. Des 15 combattants qui ont été poursuivis pour coups et blessures simples. Au regard du jugement qui avait été rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, nous avons jugé opportun de présenter les 2 jugements devant le juge en cassation pour casser la décision qui avait condamné Franck Diongo à 5 ans de servitude pénale comme auteur intellectuel. La question que nous nous sommes posée,
Si Franck Diongo a été condamné pour enlèvement, pour arrestation arbitraire accompagnée de torture, comme auteur intellectuel, c'est-à-dire le maître à penser. Mais qui sont les exécutants, les auteurs matériels de l'infraction pour laquelle Franck Diongo avait été condamné? Je viens de vous dire que les 15 combattants ont été condamnés pour une autre infraction que celle pour laquelle l'honorable Franck Diongo a été condamné le 28 décembre 2016. Au regard de la contradiction, contrariété des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et la Cour suprême, siégeant comme Cour de cassation, voilà pourquoi nous sommes venus devant le juge pour qu'il révisite la décision qui avait condamné Franck Diongo comme auteur intellectuel des infractions qu'ils ont mis à sa charge, alors qu'il n'y a pas un auteur matériel. Donc c'est imaginaire, c'est chimérique. L'infraction pour laquelle Franck Diongo a été condamné, personne ne l'a exécuté. Or, on ne peut condamner quelqu'un que lorsqu'on a commis des faits. À ce jour, il n'y a personne qui a commis les faits pour lesquels Franck Diongo a été condamné. Voilà pourquoi nous sommes venus devant les juges pour qu'ils révisitent la décision. Non seulement la contrariété des décisions, mais nous avons aussi des éléments nouveaux, des pièces nouvelles. L'Union interparlementaire avait pris une décision. Avant de prendre cette décision, il y a le président de l'Assemblée nationale qui est le répondant de l'Union interparlementaire au Congo, parce que Franck Diongo, c'est un député. La République avait été convoquée à l'Union interparlementaire où les conclusions de la partie RDC stipulent que l'honorable Franck Diongo est en détention pour lui soustraire de la vengeance des gardes républicaines. La MONUSCO aussi avait été entendue à l'Union interparlementaire. Il a présenté ces enquêtes qu'il avait faites par rapport au contexte qui a prévalu lors de l'arrestation de l'honorable Franck Diongo. Et lorsque nous avons lu la décision de l'interparlementaire et les rapports de la MONUSCO, nous avons jugé opportun aussi de saisir les juges de cette cour pour qu'ils reviennent à la décision, pour qu'ils revisitent la décision qui avait condamné Franck Diongo comme auteur intellectuel des infractions que aucune personne n'a exécutées. Leurs oreillers, ils sont payés par le trésor public. C'est pour qu'on leur amène des dossiers et pour qu'ils tranchent. Nous ne voulons pas demain qu'ils disent « Nous étions là, pourquoi vous n'avez pas fait la révision ? Pourquoi vous n'avez pas saisi la justice ?» Il n'y a que la justice qui élève une nation. Nous croyons à ces principes, nous croyons à ça. Et voilà pourquoi nous leur avons apporté ces dossiers, pour qu'ils puissent revisiter, casser cette décision et laisser Franck Diongo libre, continuer son combat, pour la République démocratique du Congo. Réclamer que Ndeko Abima bati que le MPP azamona mboka asengeli la mese Kongo Mikili Live, toujours longueur d'avance.